Bonjour à tous, aujourd'hui un vrai deck, un deck qui envoie du steak, un deck qui joue du géant squelette et Zappy, parce que évidemment ce sont les deux cartes assises d'élixir les plus jouées du jeu vidéo. To Die For, à l'heure actuelle, 138ème en ladder, plus de 6600 trophées, une énorme brute, un deck totalement méta. Bienvenue à toi To Die. Salut, merci Naxiva. Donc évidemment c'est le To Die deck hein, créé par To Die For il me semble. Ouais, je l'ai créé il y a... pratiquement 9 mois là. Il y a 9 mois, oui d'accord. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, donc tu le retraines, hein. je sais évidemment que ouais, tu joues un peu en compète aussi, hein, il me semble. Oui, avec la team Psycho. Avec la team Psycho, tout à fait. Ouais. Tout à fait, énorme joueur, donc 28400 cartes gagnées en défi, des bonnes perfs en ladder et en tournoi, et un deck très original, tu nous as partagé plusieurs replays. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu du deck, donc pour toi c'est mécanique, comment il fonctionne? C'est surtout jouer sur les baits, t'as remarqué, l'armée de squelettes, le gang de gobelins et les bats, je joue sur ça, forcer l'adversaire à utiliser ses sorts et jouer tranquillement mes baits. Ok, donc c'est beaucoup du bait sur les petits sorts. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de win condition dans ton deck? Bah, il n'y a pas de win condition. Hein. ça sert à quoi? Après tout, ça sert à quoi? Les trucs qui tapent les bâtiments, les trucs qui permettent de gagner, enfin je veux dire... C'est surtout les double push. Mon deck se joue en double push, genre je mets le géant squelette Zappy d'un côté, le prince d'autre côté, le mec il aura dépensé tout son élixir pour défendre le géant squelette et Zappy. Ouais. Et du coup mon prince il peut aller tranquillement quoi. Ok, je vois. Généralement c'est ça quoi. C'est une condition obscure. C'est jouer sur les double push. Est-ce que tu es prêt pour qu'on parte sur le premier replay? Vas-y, contre Tartare. C'est parti. Alors, ici. Oh, bah voilà, on lance clone. Bah, c'est parfait. Lila va clone. Ah, c'est parfait. Ah, ça. Nickel. Donc, c'est un Art Counter hein, plutôt pour toi, on va dire. Art Counter. C'est la course aux trois couronnes avec ce deck. Ah, c'est la course aux trois couronnes. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est matchup intelligent, ouais. Ça. C'est ça qu'on veut. Donc, là, t'engages en gang de gobelins pont. Gang de gobelins, ouais. Ok, il répond. Ah, toujours forcer le sort, hein, toujours. Ouais, je vois. Effectivement, tu le fais direct flaquer. Ouf. Quand c'est comme ça, tu... plus de flèches armées de squelettes ou pas? Non, c'est trop tard, hein, parce que là tu le sais pas, donc... C'est trop tard, ouais. Je comprends. Ok. Par contre, t'as un Electro Wizard qui est pas déconnant. Ok, tu le mets là. Là, je suis sexy mauvaise clone, hein, on est d'accord. Ouais, j'y suis. Tu fais... Ok, super, génial. Donc là, vraiment, tu vas faire vraiment la course de 3 couronnes. Tu pars de l'autre côté en Zappy. De l'autre côté en Zappy, lui aussi il push hein. Ah bah de toute façon lui il va partir à gauche là non? Ouais. Au mieux il met des zaps à droite mais des bats à droite mais même pas je pense, ouais il va tout envoyer à gauche. Ça suffira pas hein. Ouais. Énorme. Ok donc là tu mets l'armée de squelette pour étirer à tempo un peu, c'est pas mal. Bon là au moins tu sécurises la tour, lui probablement également. C'est ça le but là, je dois prendre une tour, on prend un quoi. Je suis obligé de prendre une tour sinon c'est mort. Qu'est-ce que c'était relou la machine volante. Ok, une tour partout. Donc là tu vas faire pareil, tu vas aller du côté 3 coins direct. De l'autre côté opposé, non. Okay. Non, parce qu'il va Molos à gauche. Ouais. Donc je suis obligé de partir en ligne opposée quoi. De toute façon t'as déjà dû le manger ce match-up, hein. Tu sais quoi. tu sais ce qui marche pas. Il y en a que ça. Hein. C'est ouf. Hein. On voit que ça, hein, on l'adore. Bah on peut dire que c'est une méta sympa parce que c'est quand même un deck skillé, hein. Tu trouves pas? Ouais. Bah, c'est un deck où tu défends pas, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est un deck ouais, où tu mets tout. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, tu mets tout, hein. Tu mets tout et puis tu vois ce qui se passe, quoi. Pardon. Donc là, tu défends l'armée de squelette. Il rajoute la boule de neige. On a toujours pour tempo. Ah, voilà, ça c'est un match-up intéressant. Hein. Donc vous pêchez bien tous les deux de côté opposé. Ah, c'est dit, c'est la course aux 3 couronnes, hein. C'est le premier qui 3 star l'autre. Oh, t'as réussi à mettre les zappies dessus. Parfait. Oh, par contre, l'armée de squelette. Oh, ouais, t'as les gobelins. Allez, elle prend. Oui. Oh, la bombe. Ah, c'est la bombe et la flèche là. Ouais, mais. Déjà, qui mettait un coup, c'était parfait quoi. Mais du coup, on peut dire que quand même, pour faire le pass royal, c'est des match-up intéressants. Ah, j'avoue. Hein. Votre but, c'est vraiment que l'overtime il arrive jamais quoi. Non, pas l'overtime. Alors là, c'est le hard counter par excellence, quoi. Il y a une foudre, un électro, un bâtiment, quoi. Mais c'est un vrai deck Zappy, quoi, en face. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, c'est un deck méta de cette saison, là, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, il est fort, hein, ce deck. Hein. Puis même Prince Ténébreux, c'est relou pour toi. Hein. Ouais, il arrive à défendre un Zappy. Hein. J'avoue, mais en fait, ce deck, c'est ton contre par excellence. Ouais, c'est ça. Donc tu pars en géant squelette Zappy. Ouais, t'as peur de rien, hein. Tu pars je pensais que c'était du molosse en vrai. Avec la cage, je pensais que c'était du molosse ou un ouais, cimetière. Je comprends, ouais. Ok. Malheureusement, il y a l'électro bizarre dessus. Au moment où je vois l'électro, ouais. Okay, et là, je pensais que la bombe allait péter. Mais non, même pas. Il va trop vite. Ouais.
Il va super vite. Ouais. Oh, je pensais qu'il allait péter avec la bombe. Oh, du coup, 3 coups. Ouais. 3 coups, ouais. Il fait 3. Et encore heureux, il était niveau 12. Hein. Ouais. Imagine sinon. Hein. Imagine s'il était niveau 13. Hein. T'avais plus de bâtiment là. Ok, le prince. Hein. Ah, et puis la boule de neige en plus. Mais il a vraiment tout. Hein. Non, il a tout. Hein. Oh là là. Ok, l'électro qui est bien. Par contre, là, il va faire quoi? Il va sûrement mettre une cage gobeline derrière. Ah. Soit il ignore. Il va assumer. Hein. Il va assumer. Ouais, coups, soit il assume et il part en sapifron de map, un truc comme ça. Ouais, c'est soit ça. Il cache gobeline. Ok. Donc là, tu. tu pars cache directement. Okay. Hein. Ah, je peux pas le laisser sur son push. Quoi. Bah, c'est vrai qu'en push contre push. Oh là, mais il dev comme il veut. L'électro qu'il était. Il était un peu trop là. C'est vrai, ça il avait pas eu son mettre sur l'électro, ah, hein, je suis d'accord. L'électro, ouais, c'était un peu con. Surtout enfin, faut faire gaffe à pas trop overcommit ses troupes. Là du coup tu peux défendre avec l'armée de squelette. Ouais, mais là il force avec un. Prince Ténébro derrière. Ouais, et là tu... ton prince c'est pas mal, hein. Ouais, tu peux prince, ok. Ouais, mais en vrai il va mettre l'AMG au pont là, c'est bien joué, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ça passera pas non plus avec ce prince, ok. Ah si ah ouais, d'accord. Il est jusqu'au bout, c'est bien, c'est un bon prince. Là tu vas ignorer, hein, t'acceptes les dégâts, ok. Mm. Souvent Zappy tu la mets quand même derrière le géant squelette, j'imagine. Ouais, là il a mis son tank derrière, donc je suis obligé de le remettre derrière. Ouais. Sauf que lui, bah évidemment il a une foudre. Donc tu lui caches les bats qui vont bien gratter, hein, ça lui force les caches une boule, c'est pas mal. Pardon. Et pareil, la bombe tu la mets pas sur Zappy, ouais. Et là il a fait une erreur. C'est là, ça va lui coûter la game. Hein. Il aurait pas dû foudre. Ah ouais, pourquoi il a foudre? Oh, oh là là. Ah ouais, mais là tu te mets bien, tu te mets extrêmement bien. Ah là, les... ouais. Ah, du coup, c'est là, comme tu disais, tu fais le push, le push double lane. Push, ouais. Avec les bats. Oh, les bats, il a raté la boule de neige en plus. Le prince qui charge, le géant squelette qui passe. mais t'as match-up tous les jours. En fait, quand ils tombent contre toi, ils sont pas prêts simplement. Oh, du mortard, mais t'as vraiment tout, mortier, c'est parfait. Ouais. Tu nous as montré tous les archétypes. Alors Mortier, la dernière elle est pas mal. Comment tu t'en sors contre Mortier? Moi je t'ai vu, la seule fois que je t'ai vu jouer avec, t'as perdu. Voilà. Ah ouais, en plus il y avait Rocket. Ouais, il y avait Rocket. C'est vrai qu'il y a Rocket. Qu'est-ce que c'est relou pour toi, Rocket? Ouais, c'est mon counter, la lockbait, je peux rien faire. Hein. Ok, mineur derrière. Ouais, c'est bien joué, hein, parce que du coup ça t'aurait détourné le truc. Bon, les bats vont tomber sous ta tour en théorie. Ouais. C'est alors quand c'est comme ça, est-ce derrière. Que tu accompagnes ou pas? Ouais, t'accompagnes avec les bats, c'est pas mal. Wow. Toujours forcer un sort. Hein. Et ils ont toujours la boule de neige aussi, hein, à dénoter. Là, c'est qu'il a plus de sort. Ouais, et là t'as un petit avantage ici. Hein. Tu vas faire quoi? Tu zappies fond de map dans l'espoir qu'il est pas roquette? Non, il a je laisse le zappy pour le mortier. Hein. D'accord, ok. Donc prince, il a plus de sort, donc je peux mettre un gang de gobelins derrière le prince. Et faire un spécial to die. La plus flèche. Oui. Oh là là. Oh là là, il est beaucoup trop fort. Oh, énorme. Ah ouais. Ah, ça gratte quand même. Du coup, t'étais content quand ils ont changé la plus flèche ou pas? Bon, j'ai eu du mal à m'adapter, en fait. C'est vrai. Vitesse, mais après, ça va. Ouais, d'habitude, tu l'as acheté il y a 10 secondes et t'attendais le bon moment. Et ouais, maintenant, faut que tu sois un peu moins réactif sur les pré-shots. Et surtout avec le changement du gang de gobelins et tout, c'est chaud. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Enfin, c'est, tu peux en pré-shot 1 quoi, mais. Les pré-shot tous, c'est chaud. De beaux moments pour les avoir tous. Ouais, carrément. Ah, donc là, t'as le prince, tu remets des petites battes, il va devoir reboule de neige. Reboule de neige. Ouais, ça défait bien. Hein. Mini PK. Donc là, tu sais pareil, hein, qu'il a récupéré ses petits gobelins à dague. Ouais, mais là, je force pas. Je force pas, ok. Faire ne pas forcer, ouais. On arrive en fois 2, j'ai une avance. Ouais, c'est pas de mal. 4-5 élixirs. Ouais. Je préfère push. Faut voir que tu recycles une carte avant de récupérer ton géant squelette. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et là, c'est le moment où tu repars en double lane ou pas? Ah non, là tu vas Quand c'est avec ce deck, non. Ok. Justement, avec ce deck, je préfère aller sur une ligne. Qu'il a juste un mini PK, je préfère. Ouais, il a tapé. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est l'espoir différent quand même. Hein. Ok, il te reste plus qu'à plus de flèches, mais là, elle est gratos, limite, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et le poison, mais ça sert à rien, là.
Est-ce qu'il y a d'autres gens que toi qui jouent plus de flèches? Ah ouais, il y a certains joueurs Molos. Ouais, Molos, il y a même certains decks Zappy géants qui jouent... Qui jouent à plus de flèches. Qui jouent à les flèches, ouais. T'en penses quoi, toi, des flèches? Ah, ça élimine la horde de gargouille. Franchement, c'est pour ça que tu les joues. Qui... Ouais, c'est... Parce qu'en vrai, il faut un zap, il faut une boule de feu, mais c'est trop cher, quoi, je mets ça. Ouais, je comprends. Le zap servira à rien, en vrai. Oh. Ah, au début, je pensais que c'était du PK. Bah oui, on dirait. C'est pas du PK? C'est du MK. Ouais. Ah, d'accord. Bah, d'habitude, c'est PK, ça. Mais, alors, MK, c'est encore pire. C'est quoi le pire pour toi, PK ou MK? Bah, ça, c'est pire, hein. Avec un DDE, DDE, électro, poison et cavabélier, c'est... Ah ouais, non, c'est clair. Non, mais rien que le fait qu'il est électro et compagnie, je me suis dit... C'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai aucun match-up, hein. Ah oui, c'est ça. Ah oui, effectivement. Donc, t'as quoi comme match-up avec ce deck? Je trouve que géant, double prince, ça va, ouais. Géant, double prince. Ouais, géant, double prince. En vrai, même PK, ça va, hein. Ah ouais? PK, parce que je joue sur les baits avec... Enfin, en défense, je peux gérer avec le gang de gobelins armés de squelettes, donc je trouve qu'il y a le match-up. C'est vrai que... Du fait que t'es l'armée squelette et le gang de gobelins, ça défend plutôt bien les PK. Ouais. Bon, ça fait deux decks, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. On arrive à monter quand même. Ok, la Ravrider qui est envoyée, donc là tu défends l'électro, c'est parfait. Ah, tu as armée squelette en plus? Je rajoute, ouais, armée squelette. Ok. Moi, je trouve que c'était trop, ouais. Oui. Bon, t'as pas besoin en tout cas, mais après... après, ça change pas grand-chose, hein. Vous êtes tous les deux à 7. Et là, par contre, je pensais que c'était du PK, donc je mets mon Zappy. Ouais. Et il me sort le DDE, quoi. Et là, tu pleures. Je fais, mais non! Ah, là, je pleure. Mais c'est pas normal. Ouais, j'avoue, je te fais arnaquer. Il y a que des PK en plus dans la méta. Pourquoi il y aura un Mega Knight, là? Ah, il n'y en a plus. Hein. Bon, alors là, tu protèges avec le gang de blin, tu forces une boule de neige. Une boule de neige. Mais il va quoi? Il va quand même électro, hein, ici. Hein. Sinon, est-ce qu'il y a que électro? Ouais, il va électro. Ouais. Mais là, par contre, j'ai paniqué. Ah oui, les bats. Mais bah ça va pas suffire. Ah tu dois re-électro et du coup t'as, là tu... Oh et t'as rien de l'autre côté quoi. Aïe aïe aïe. Ouf. Ah ouais. Et là t'as plus de maison. Ah si tu mets quand même l'armée squelette, ok. Bah quand même ça va beaucoup. Heureusement qu'il a plus de barbare de l'autre côté hein. C'est quelqu'un de bien hein. Ouais parce qu'il a vu que l'électro était en train de gratter. Ah ouais, mais je pensais pas que ça allait tuer la voleuse. J'ai mis un gang de gobelins, c'était trop quoi. Ah ouais mais imagine s'il mettait pas le fuit de barbare à gauche Enfin, tant mieux. Donc tu réussis ton fusil de gobelin, il poison, ok. Et là tu vas pouvoir commencer à construire un gros push. Il va de l'autre côté. Ouais, mais c'est parfait, t'as le prince, t'as pas besoin de plus hein, pour l'instant. Mais là, il va mettre un MK. Ah ouais, d'accord, il est comme ça lui. Ah, mais par contre, à droite, il a plus de tour, hein, 100% sûr. Toi, tu vas pouvoir remettre une armée squelette, le temps qu'il mette la boule de neige, ouais. Il aura plus rien. Allez, j'ai un squelette. Plus d'électro. Ouais, c'est parfait, j'ai un squelette, il va sur la tour. Il sait ce qu'il veut le géant squelette. Hein. Il veut la tour. Et c'est Zappy qui finit la tour. Non. Oh là là, il a volé la tour au géant squelette quoi. Énorme. Et encore une fois, hein, ce prince bat, hein, la combo to die. Hein. La combo to die. Et là, je me suis pris un plus 44 en plus, qui fait plaisir. Hein. Ah ouais, il devait être dégoûté en face. Non, mais j'ai vraiment perdu contre ça. N'importe quoi. Le ladder, c'est plus ce que c'était. Tu joues des fois en super défi, ce deck? Bah, j'ai jamais essayé en vrai. Hein. Mais je suis sûr que tu feras un 12 avec. Tellement tu le maîtrises. En vrai, hein, à essayer. À essayer, j'avoue. Pourquoi pas, ouais. Ah là là, merci. Merci beaucoup, merci. Hein. Mais merci à toi, franchement, ça régale. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc, évidemment, il a fait son top 100. Top 100 monde avec ce deck. Il fait souvent des perfs très très hauts en ladder. C'est un énorme joueur à ne pas sous-estimer en ladder. Tiens, d'ailleurs, une petite question contre 2.9. Comment tu t'en sors? Ah, j'ai du mal. Hein. Ah, l'Arctic, c'est du Arctic. C'est l'update, aïe aïe aïe. Tu pleures. Aïe aïe aïe. T'es chagrin, ok. Faut vraiment qu'il fasse une erreur, il force trop pour que je puisse passer, mais sinon c'est chaud. Hein. Ouais, non, tu m'étonnes. Ah, c'est vraiment chaud, ouais. Alors eux, en tout cas, ils se font plaisir. Ouais, ils se font plaisir, toujours. Ah, mais c'est tout die, hein, bah enfin. Ouais, c'est bon, 20-30 trophées. Il frémine, allez. Ah, heureusement qu'il y a tout die dans le ladder, parce que sinon... Ouais, c'est généreux, hein. Ouais, c'est généreux. Bah, t'arrives quand même à faire top 100, hein, donc t'en as sorti pas mal, hein, des joueurs. Ouais, en plus, dommage, j'ai pas des replays contre de l'arc, j'ai réussi à gagner. Ouais, j'imagine, tu dois en gagner quand même de temps en temps, certains qui paniquent un peu, qui s'habituent pas trop au deck, ou... Enfin, y a ton deck qui met quand même une grosse pression, hein, si sur un malentendu, hein, tu peux... Ah, surtout quand t'es surpris, là, de voir un genre squelette zappé,
tu es un prince et tout, ça te perturbe. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, puis c'est des grosses cartes qui font peur, qui font mal quand même, mine de rien, donc c'est vrai que ça peut se aller vite. En vrai, c'est pour ça que j'ai pas besoin de gros sorts vu que j'ai un géant squelette. C'est vrai, t'as déjà une grosse AE, t'as déjà un gros truc, Non. donc ouais, je suis d'accord. Effectivement, ça serait Donc, qui peut-être un permet peu de faire overcommitté. une value sur la défense. Ouais, oui, c'est vrai aussi, hein. Moi, en golem, ça m'arrive fréquemment d'avoir du mal, hein, contre les géants squelettes. Hein. Ah, Golem, en vrai, je me régale hein, ce match-up-là. Tu m'étonnes, ouais, tu les Ah, démoles. même Golem avec foudre ou sans foudre, là, avec l'Hydra, je me régale. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, tu les démontes, hein. Oh, les pauvres golems, non, non, ça se fait pas, ça par contre. Hein. Faut que je change le deck. Les pauvres joueurs golems. Et non, ouais, non, ça m'étonne pas. Hein. Et puis même Zapi, c'est pas évident à gérer en golem. Le prince, ça reste une bonne carte contre également. En vrai, je mets juste un Zapi, j'ai un squelette, je défends le golem et j'attaque de l'autre côté. Ouais, et puis là, ben. Ouais, c'est ça. C'est la fin pour le joueur golem. Bah, top, en tout cas, merci beaucoup, Tsudai, pour la vidéo, ça fait Merci, mais extrêmement je t'en prie, plaisir. merci à toi. N'hésitez Merci pas beaucoup. à aller le checker hein, sur Twitter et compagnie, il sera en description. Et bah, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne fin de journée.